Coucou à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Escapists où on va essayer de s'échapper de la prison de Stalagmfjord. Voilà, la dernière fois on s'était arrêté. On s'était arrêté en... Oups, je vais pas prendre le bureau. On s'était arrêté en faisant des trucs du genre travailler en bibliothèque, par exemple. Etc, etc. Maintenant... je peux faire un autre... je peux faire des bolt cutters. Je peux faire des trucs pas mal. Bon, c'est l'appel matinal. Je me rappelle... Faut que je tabasse Gil. Et faut que je fasse une diversion au moment du petit déjeuner. Ok. Est-ce que vous vendez des trucs intéressants depuis la dernière fois? Médicaments... Non. C'est de la merde. C'est de la merde. Akilio. T'es mon pote, les chauves unis, les chauves sont unis. Toi tu veux quoi, un livre? Ça je peux en avoir. Peut-être, on verra. En vrai j'ai pas très envie de le faire mais je te le dirai pas clairement. On est cool mon frère. Pourquoi je parle comme ça? Officier lui. Quelqu'un trafiqué à la chaise du directeur. Non. Premier problème, je vous casse les dents. Eh, hey, officier, lui, là, tu vas te calmer. C'est le petit déjeuner. Diversion. Il est où, Gil? Gil. Tu sais lequel tu es là. Oh, il est tout seul, Leroy. Alors, qu'est-ce que j'aime pas? Prenez. Je te déteste. C'est pas moi. Concrètement, qu'est-ce que je peux aller faire dans la... Alors, lis-toi d'éviter à vos voisins de cellule pour éviter qu'ils te balancent. Pour l'instant, ça va. Très bien. Ah, mais 35, je peux faire le dernier aussi, je crois, non? Je m'allume. Oui! Essaye de couper la clôture extérieure, tu pourrais... Essayer de couper la clôture extérieure pourrait bien être électrisant. Ah d'accord, clôture électrique. Fuck, clôture électrique. Pas cool ça. D'accord, donc la bleue elle est électrique. Je suis Billy Bibliothécaire. Billy Billy, Billy Billy. Il s'est caché. Alors. Leroy. Leroy Steve Martin. Leroy Steve Martin Gary. Leroy. Martin. Martin. Yes. Ton livre. Ton livre est là. C'est la livraison des livres. Gil. Oh, t'as un tournevis. Chance. Bah, j'ai rien pour toi. Parce que je t'aime pas en fait. Leroy. Jenkins. Ensuite, Steve et Gary. Steve et Gary. Ils sont où? Ça c'est Ross qui est là-bas. Steve il est là, ok. Je vais pas rentrer parce qu'il fallait que je pose mon truc d'abord. Yo Steve. Yo mule. Gary. Le bruit qui veut dire que je dois rebrancher mon casque. Voilà. Ça va mieux. Hop. Étagère. Leroy, Ross, John, Gary. Bah, l'avantage c'est que Ross, je sais où il est. Du coup, je peux aller directement le filer. Alors, Ross, non, Ross, c'est toi. Ross, tiens.
Ouais, j'ai fait mon quota de travail, j'ai fait mon quota de travail. Je peux semer des livres. Bon. Bon. Officier, lui. J'aime pas du tout ce travail de bibliothécaire. Par la conséquente, qu'est-ce que je vais faire? Ah. Par la conséquente, j'aimerais bien changer de boulot. Pour changer de boulot, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je tabasse quelqu'un. Pour tabasser quelqu'un, il faut que je trouve qui tabasser. Jardinier, non. Menuisier, tiens. Menuisier ou livraison. Non, livraison, ça a l'air chiant. Je vais faire menuisier. Steve. Trois bûches. Il crée une chaise. Génial. Alors que les vêtements, c'est ici. Ah, bah, celle-là. Ah, franchement. 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 Attends, mais ici, on est à. Ici, là aussi il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Oh, là il y a un camion. Qu'est-ce qu'on peut faire au camion? Camion de livraison. Et là on peut sortir. Ah ouais, on peut sortir directement ici. Pour changer la musique. Est-ce que je peux couper le courant? Ah, c'est ici. Il me faut. Ah, donc ça descend en fait, je pense. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de toit. C'est-à-dire que depuis ma bibliothèque. Ah non, je peux même pas y aller. Putain, c'est chiant. Il me faut une clé jaune. Comment est-ce que je peux avoir une clé jaune? Ça monte, hein? Ouais. Et là, ça monte aussi. C'est-à-dire qu'il y a des toits. Pourtant, si je monte sur mon bureau, je ne vois pas de toit. Ah ah! Malin. Moi, je pense que je vais faire un tunnel. Oh, mais j'ai rien pour creuser, c'est chiant. C'est pas pratique. Personne n'aime les lasers. Les losers, oui. Les lasers. Personne n'aime les lasers. Moi-même, je déteste ça. Oh, j'ai oublié mon tesson. Mon petit tesson. En même temps, faut juste que je trouve une truelle ou un truc comme ça. Ok. Bon. Reconnaissance s'est très bien passée. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de tuer Steve ou Blank. Je tapais Steve. Mais d'abord, il faut que j'aille récupérer ceci. Voilà. Yo, Steve. C'est alors le rythme. Je t'emmerde. Yo. Oh, oh, yo. Ouais, baston! Je peux taper quelqu'un en attendant. Rodney, il avait une plaque d'identité. Je sais pas à quoi ça lui sert. Mais maintenant, il est à moi. C'est à moi, c'était à moi, ça a toujours été à moi. Cassez-vous. Ah. Il y avait un autre mec à fouiller. Donuts.
Merde, c'est ah oui, c'est vrai qu'on travaille deux fois dans la journée ici. Ah, maudit hipster. Pas quoi ça sert. Alors, Martin, John, Rodney. Martin. Ah, tiens, j'ai tout filé à Martin. Je prends que des livres à Martin. Rodney, Steve, Gary. Ah, il est là, Gary. Yo, Gary! Tiens, ton livre. J'allais pas du tout le mettre par terre, il marche dessus. Ne t'inquiète pas. Oh! Tu crois que tu crois qu'on rentre ici comme dans une bibliothèque ou quoi là? Ah, du rouleau de scotch. Mine. Mine, mine, mine. Mine, mine, mine. Gary, 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 Gary. Martin, John. Est-ce que j'ai un truc pour John? Après, j'ai un truc pour Martin. Martin, où es-tu? Gary! Gary, 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 Gary. Gilly, yo, personne qui travaille ici. Gary, non. John, j'ai un pour toi. Gary, je t'ai déjà donné. Gil, Gary. Pff, Martin encore. Oh, j'aime pas ce boulot. J'espère que je vais me faire virer bientôt. Là c'est Steve. Là-bas c'est Ross. John. Yo. Putain, t'es sérieux? T'es sérieux quoi? Je suis même pas rentré en plus, hein. Eh oui, bah écoute, virez-moi, virez-moi, virez-moi. Hein. Très désagréable ça. Parce que c'est ça, je vais semer des livres partout. Voilà. Voilà ce que vous avez récolté. Blanks, tiens. En fait, tu me. D'accord, t'es plus fort que moi. Très bien. Voilà, fais-toi tabasser. T'apprendras. Je te désarme. Toujours désarmer les opposants. Alors, oui, j'y vais, et oh, tu te calmes dessus. Parce que ça, je m'en vais. Et je vais devenir énorme. Ouais. Bon, récapitulons. Le truc. Mon voisin de cellule, pour l'instant, il est content. Ce qui est bien. Ce qui est une bonne chose. Il faut que je le caresse dans le sens du poil, comme on dit. Voilà. Faut quand même que j'aille à l'appel de fin de journée, sinon. Vas-y. Sinon, bah, ça va être la merde. Hein. Alors, objet somnifère, oui, je devrais pouvoir. Objet magazine, ouais, ça va, ça j'en ai quelques-uns. Peut-être. C'est qui déjà mon copain de cellule? Ah oui, c'est le chauve, c'est Martin. Yo, le chauve, le gang des chauves. Hé, parle-moi. Hé, parle-moi. Parle-moi. Ah, j'ai une truelle quand même. C'est cool ça. Bon. Alors. Là, on peut fabriquer des cutters fragiles. Non, on peut pas fabriquer des cutters fragiles. Parce qu'on n'est pas assez intelligent. Ce que je comprends. On a du mastic. Ah, on pourrait se choper une clé. Une clé quelconque. Ah, faut que je trouve un moyen d'accéder au générateur quand même. Un de ces quatre. Ou alors que je fasse un énorme tunnel. Ah ouais, je vais faire un énorme tunnel.
Alors, je vais faire un énorme tunnel. Là, là, là. On va commencer avec un creuset à la cuillère. Ouais, creusons, creusons. Et on est fatigué. C'est long à la cuillère, hein. Les Dalton, ils faisaient croire que c'était plus facile, hein. Hop, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Tout va bien. Hop, c'est pas moi, c'est moi, je dors. Ah. Ouf. C'était limite. Très très limite. Bon. Appel matinal. Qu'est-ce qu'il voulait un magazine déjà? Blanks. Le magazine. Yo, Blanks. Tiens. Ensuite, Martin, t'es mon pote. Faut faire la hard house, quoi. Oh. Bon. C'est pas qu'on tourne en rond, mais on tourne un peu en rond. Qu'est-ce que... Il faut que je trouve un moyen d'accéder au générateur. Ou alors que je fasse un tunnel. Que je peux tout à fait faire. Tout à fait ce que je vais faire d'ailleurs, tiens. Je vais faire ça. Faut que les tunnels, je passe en dessous. Sur les decks. Et toi t'es. Bon, t'es pas très chauve, mais t'essayes d'être chauve alors ça va. Je peux manger à côté de toi. Alors, bon. Ouais, baston, vite, je peux prendre des fourchettes, c'est les fourchettes. Ouais, pleine fourchette. Pardon, j'ai pas fait exprès. Hey, un magazine. Ok. Allez, période de travail ou période libre? Bah oui, parce que j'ai pas de... Qu'est-ce que je pourrais tuer? Ouais, non, je suis pas assez fort. Je vais aller me culturer dans la bibliothèque. Musique est tellement douce. C'est Gary. Hey Gary. Comme ça, je pourrais fabriquer des cutters fragiles. Une fois que j'aurai des cutters fragiles, je pourrai cutter fragilement. Hey. Qu'est-ce que tu veux là? Un escabeau pour monter par-dessus la clôture. Donc ça c'est mon bureau. Ok, cool. Cool. Alors, crafting. Pic. Oh, je me suis chié. Allez. Faire quelques pompes à gamme. Ah, voilà. Ça va mieux. Ouf. Même. Speed reading. Et un livre. Et deux livres. Et trois livres. Et quatre livres. Et maintenant on peut scotcher des limes ensemble et ça fait des cutters. Que c'est pas génial! C'est génial! Alors. Revenons dans ma cellule. Je fais ce que je veux dans ma cellule. Voilà. Fourchette en plastique, là le mur il fait moins le malin. Avant ça j'étais barbier. Ouais. Avant ça j'avais les cheveux. On était vachement complémentaires en fait. Et c'est lui qui plante des herbes là, hein, je l'ai vu. J'hallucine quoi.
Ok, l'objet fourchette est cassé. Très bien. Eh bien, puisque c'était ici. Ouais, Baston. Alors, toi, tu veux quoi? Tu veux un briquet? Oui, pas de problème. Toi, t'as rien qui m'intéresse. Oups. Distrait les gardes au moment de la période de sport. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que je peux te distraire, Ross? Ouh, c'est pas moi, c'est pas moi. Putain, je vais super vite. C'est l'heure de la période libre. On va faire une sieste. Alors, le mur est bientôt cassé. Je sais pas s'il voit à travers la porte en fait. On va dire que oui, parce que bon, quand même, c'est quand même une prison. Et puis, alors, 32 et l'objet fourchette est cassé. Très bien. Bon, je vais fouiller quelques bureaux. Toujours important de fouiller les bureaux pour trouver les objets que les gens m'ont demandé. Ah, note de fabrication, ça faisait longtemps ça. Lampe torche, du rouleau de scotch, ça je prends, ça c'est un rouleau de scotch, c'est la vie, c'est la vie. Alors, tenue de prisonnier de guerre renforcée. Tenue de prisonnier de guerre renforcée plus 10. Objet légendaire. Alors, une lampe torche du bois. Prendre le bois. C'est pas moi, c'est pas moi, j'étais pas dans la cellule. Je vais prendre du bois comme ça. Si par malheur je. Ah, il y avait un briquet, non? Si par malheur je décide de faire un tunnel, je pourrais y mettre du bois dedans. Donc le briquet pour l'autre. Un magazine. Pas besoin pour l'instant. Un peigne tranchant. Qu'est-ce que c'est? Photo de famille, machin. Spatule ventouse. Une ventouse, ça adhère trop bien, mais je sais pas à quoi ça sert malheureusement. Un somnifère. Non, tu m'as pas vu. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Allez, allons voir si je peux pas trouver un moyen de faire le générateur. Je sais pas qui je suis. Maintenant, je sais pas qui tu es. Oh. Alors, ouais, dans l'idée. Après, dans l'idée, je pense. Bah non, on peut pas creuser ici, mais. Y a aucun autre moyen d'aller là? Ok, fâcheux. Je pensais qu'il y avait d'autres moyens d'aller là. Lors du dîner. Il faut que je vois. Voilà, qu'on se fasse pas choper. Et que j'aille regarder de ce côté. Ici. Ah ouais, c'est ça, il faut plus d'y aller par là-bas, quoi. Ah, c'est chiant. Je vais creuser par-dessous. Sinon, ça va pas être pratique. Tu, je récupère mon barda. Ne vous inquiétez pas. Allez, mais. Je veux te parler, Martin. Oui, prochain moment du dîner, je distrais les gardes. Leroy, toi tu veux quoi? Non, Leroy, je t'emmerde. Je te déteste. Moi je vais aller voler des fourchettes en attendant. Parce que je fais qu'est-ce que je veux de mon temps libre. Allez hop, vol des fourchettes.
J'en voulais qu'une. Qu'est-ce qu'il voulait un bracaille? Steve? Tu fous ma gueule? Il est où Steve? Eh où Steve? Steve! Je sais où tu te caches! Il suffit que je t'habille d'enculé! Dis mon nom. Rodney. Ça t'excite quand je dis Rodney? Alors. J'ai pas mal de trucs illégaux quand même dans mon bureau. Hein. Si un jour il décide de fouiller, je suis dans la merde. Mais bon. Alors, casser le mur, 20%. Barbu et chauve, toi je te respecte. Huit et 4. Fait un peu froid, c'est la neige qui te fait dire ça. N'importe quoi. Ouais, baston. Eh, je t'aide, mec. Je t'aide à la baston, Martin. La nourriture. Miam, du poulet, que c'était bon. Allez. Hop, voilà. Tout va bien. Maintenant, je peux sortir la nuit. Ce qui est pratique. Officier lui. Comment on fait pour faire une clé déjà? Il fallait un moule de clé. Du mastic. Non. Moule de clé. Il fallait un moule de clé. Il fallait. Mastic plus clé personnelle. Ouais. Allez, d'accord. Après, il faut faire un moule et après, on met du plastique fondu dedans. Très bien. Très bien. Pense qu'il y a un accès VIP. Débarrasse-toi de lui. Ouais, mais c'est chiant quand même de se débarrasser des officiers. Mais Martin, tu veux quoi? Yes, pas de problème. Apparemment, Rodney ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il essaye de me vendre du chocolat à 28$. 28$, Rodney. Aucun savoir-vivre. Et aucune estime de soi, je pense. Enfin bon. Oh! La clé de l'entrée. Vite. Vite, vite, vite. Ah, il aurait fallu que j'aie mon moule sur moi. Vite. Ah, vite. Pendant qu'il est encore KO. Ah, trop tard. Fuck. Est-ce que je suis assez stock main ou pas encore? Pas l'impression, hein. J'ai surtout l'impression que tous les mecs qui sont là, ils sont super vénères. Du coup, somnifère pour Steve. Ah bah oui, mais j'en ai des somnifères aussi, attends. J'arrive. Je reviens dans 2 secondes. Alors, Steve, il veut des somnifères. Steve, yo, Steve. Ensuite, qui veut quoi? Steve, il veut un briquet. C'est une petite soirée. Petite soirée sympa, là. Hein. Martin veut que tu tabasses Leroy. Il y a divers moments. Il faut tabasser Gilles. Officier lui, peut-être. Tu veux un médicament? Ouais, ça c'est jouable. Tu veux un drap? Attends, je reviens. Ne t'en fais pas, je reviens. Voilà. Alors, c'était pour qui le drap déjà? Gary. Hop, Gary. Tiens. Voilà. Fais pas genre, t'es pas content. Parce que je sais que t'es content. Alors. Le mur, je vais le mettre aux toilettes. Voilà. Toujours important d'avoir le mur aux toilettes.
Non, mais voilà, on va s'arrêter là. La prochaine fois, je pense qu'on va du coup essayer de cutter le premier truc et passer par-dessous le second, et on va voir si ça passe. Mais avant, on va quand même sauvegarder la progression parce que j'ai peur que ça fasse comme la dernière fois et que ce soit la merde. Du coup, je vous dis merci énormément d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager si vous en trouvez l'envie. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Je suis toujours preneur de retour. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Escapist. Plein de bisous.